Clôture du sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial. Ce vendredi 23 juin marque le dernier jour avec la solde, un dialogue de haut niveau avec les chefs d'État présents. Et voilà. Bonsoir si vous nous rejoignez. C'est sur une note de satisfaction générale que le sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial a pris fin ce vendredi. La cérémonie de clôture a été marquée par un dialogue de haut niveau auquel ont pris part tous les chefs d'État présents. Durant cette même journée, le ministre des Finances, Tahir Hamid Guiling, a signé un accord de prêt d'une valeur de 32 millions. On fait le point avec Assemar Djimlila. En marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Guiling, a signé à Paris un accord de prêt de 32 millions d'euros avec la France. Les conditions de ce prêt sont concessionnelles, comprenant 10 millions d'euros de subventions. Ce financement a pour objectif de soutenir les travaux stratégiques de réhabilitation de la piste de l'aéroport international de N'Djamena. La réalisation de ces travaux permettra d'améliorer les infrastructures aéroportières et renforcera ainsi la connectivité du pays avec le reste du monde. Cet accord de prêt témoigne de la bonne coopération existante entre la France et le Tchad. Autre chose, 5 jours après le lancement des épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2023, sur toute l'étendue du territoire le 19 juin dernier, la rédaction de Tchad Info TV a fait un tour dans quelques centres de composition de N'Djamena. Cependant, le climat est beau fixe à ce moment-là. La pluie qui s'est abattue sur la ville de N'Djamena n'a pas empêché les candidats de poursuivre la composition des épreuves du baccalauréat. Ils ont presque tous répondu présents dans les centres de composition que nous avons visités. Après 3 jours de composition, les candidats de la série scientifique disent que les sujets sont abordables. De lundi jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, tous les sujets étaient abordables par sa grâce. Nous avons bien préparé aussi et quand même cette année, ça va par la grâce. Bon, dans l'ensemble, on peut dire que les sujets sont abordables. On n'a pas eu de difficultés. Le second jour était quand même moins bon. Aujourd'hui, je crois que c'est parfaitement bon. Parfaitement bon, il nous reste encore une matière. Si on arrive à bien affronter, je crois que ça va aller. Ici, au centre du lycée technique commercial, tout se déroule dans de meilleures conditions, a fait remarquer Djuma Doumkotidje Fils, président du dit centre. Nous constatons quelques absences et c'est tout à fait normal. Dans les séries comme la série D, la série D arabe et la série A4 que nous gérons ici. Donc depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes absents qui se répètent. En série D arabe, ils sont 3, en série D français, 4. Et en A4, ils sont 34. La composition des épreuves a débuté le 19 juin sur l'ensemble du territoire national. Et plusieurs incidents, notamment le cas d'accident, d'accouchement, ainsi que le cas de décès à Faya, sont enregistrés jusqu'à présent. La troisième pluie dans la ville de N'Djamena a fait d'énormes dégâts dans certains quartiers de la capitale. Et c'est le cas du quartier Ridinan dans le 5e arrondissement. Après la pluie du petit matin de ce 23 juin, plus de détails avec Judith Kamtar. Des maisons écroulées, caniveaux bouchés, eau de pluie stagnée. C'est le visage du quartier Ridinan ce matin après la grosse pluie qui s'est abattue à l'aube de ce 23 juin. Et les habitants pointe du doigt les travaux de réaménagement du canal. Avec la situation de cette société qui est en train de préparer ce canal, il a bloqué toute la circulation d'eau qui vont partir vers Arjumal. Avant même, nous, on allait confirmer, j'ai même signalé au maire, aux délégués, tous, ils ont venu présenter ici, ils ont regardé avec leurs yeux. Et je l'ai bien exprimé, j'ai dit, ce canal qu'ils sont en train de se préparer, s'ils n'ont pas fait une attention, on va tomber dans les risques. Tous ces dégâts proviennent de l'entreprise en combat. Elle a bloqué le canal avec plus de 10 bennes de sable et cela a bloqué le passage des eaux. Impuissant face aux dégâts, le maire de la circonscription appelle à l'aide d'urgence. Nous demandons des partenaires et d'autres bons volontaires pour venir en aide, et plus particulièrement parce que le problème en est que la construction
des nouveaux canaux par entreprise en Cobalt. Cela, c'est la cause de ces dégâts-là. En 2022, les inondations ont causé d'énormes dégâts et contraint des milliers de personnes à fuir les maisons. Cette année, la météorologie nationale annonce une forte pluviométrie. Par un pont de presse, la plateforme associative du Grand Kanem dénonce les déversements de pétrole brut dans les départements de Wai et Kanem Ouest. Cette situation, relève la plateforme, affecte les populations vivant à proximité des champs pétroliers, la faune et la flore. La plateforme exige des autorités l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de ces déversements de pétrole brut, situer les responsabilités. Suivez un extrait. Les conséquences de ces déversements sont catastrophiques. Les écosystèmes fragiles ont été gravement endommagés, affectant la biodiversité et mettant en danger la faune et la flore locale. De plus, les communautés vivant à proximité du champ pétrolier subissent les effets néfastes sur leur santé et leur sécurité. Ce qui nous préoccupe davantage, c'est le silence de l'État face à ces déversements répétitifs. Nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour remédier à cette situation alarmante. L'actualité en bref de ce vendredi 23 juin s'articule autour de la réunion de la commission interministérielle chargée de l'ouverture du capital du groupe Sotel Tchad et la plaidoirie pour l'éradication du ver de Guinée. La ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatime Gougouni Wedeye, est à l'hémicycle ce vendredi 23 juin dans le cadre d'une question orale avec débat sur le sujet de la circulation et des accidents au Tchad et précisément dans la ville de N'Djamena. Question initiée par le conseiller national Amoula Toua Robert Golbey. La séance est présidée par la deuxième vice-présidente du conseil national de transition, Dr Khadija Adoum Atimer. Le ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique, Mahamat Alaou Tayer, a tenu ce 23 juin une réunion de la commission interministérielle chargée de l'ouverture du capital du groupe Sotel Tchad. Au cours de cette réunion, Dr Amadou Touré, responsable du groupe Africa ICTS Consulting Agency, a fait une présentation sur la feuille de route d'ouverture du capital. Les axes stratégiques pour une privatisation réussie sont entre autres des sujets qui ont été examinés. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a présidé ce vendredi 23 juin 2023 à Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, les plaidoyers de haut niveau d'éradication de la maladie du ver de Guinée. Dr Abdelmadjid Abderrahim a souligné que la lutte contre le ver de Guinée est multisectorielle et exige la conjugaison des efforts des acteurs de tous les secteurs. Il a recommandé par ailleurs aux responsables d'impliquer les communautés dans toutes les étapes de la lutte dans le but d'exécuter avec dévouement et conviction le plan stratégique national de lutte contre le ver de Guinée. La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, a fait une déclaration ce vendredi 23 juin à l'occasion de la Journée internationale des veuves célébrée chaque année à cette date. Elle a exhorté les services publics, les magistrats, les juges et les organismes de retraite à faciliter l'accès des veuves aux ressources nécessaires. Par ailleurs, la ministre a encouragé les veuves à se battre pour le bien-être de leurs enfants et à dénoncer les mauvais traitements auxquels elles sont confrontées au quotidien. Le Fonds national de développement et de la statistique a organisé ce 23 juin au sein du Conseil national de la statistique une réunion de présentation des activités financées dans le cadre de l'exercice 2022. Selon le directeur général du FNDS, cette réunion est un événement important qui répond à l'objectif premier du FNDS qui est celui de financer les activités des composantes institutionnelles du système de la statistique nationale. Il faut savoir que depuis sa création en 2020, c'est pour la première fois que le FNDS a pu financer les activités statistiques validées par le Conseil national de la statistique. Sur les 25 activités réussies, il a validé 19 et a financé intégralement 11. Soutellement société pour boucler cette édition, né avec une déficience visuelle, Mbaye Ondoum Gayus gagne sa vie aujourd'hui avec le tissage. Il tisse des lits, des chaises et des sacs, mais jusque-là, il n'a pas encore un atelier propre à lui. Tchad Info TV est parti à sa rencontre. Suivez ce reportage. Au bout des doigts des fils et une navette, les gestes sont précis.
et les fils s'entrecroisent sur le quotidien de Mbayondoum Gaye. Le sac me prend du temps, allant de 4 à 1 semaine de travail intense. Malgré sa déficience visuelle, le jeune homme s'est intéressé à l'artisanat très tôt. Une des raisons qui l'ont poussé à intégrer le centre des ressources pour jeunes aveugles. Depuis 2008, Gaye s'est forgé dans ce métier et il exerce à plein temps. Il y a des gens qui pensent que quand on est handicapé, on est appelé à croiser les bras et attendre tout des autres. Et moi, je suis fier de faire ça parce que ça me permet de trouver de quoi assurer mes petits besoins. Pour marquer sa contribution au développement de la société, il tisse des lits, chaises, tables, ceintures, bracelets, sacs. Le rêve d'un Mbayondoum Gaye est d'avoir son propre atelier. Ici se referme définitivement cette édition. Rendez-vous demain pour un nouveau 19h45. D'ici là, portez-vous bien, surtout l'information continue sur Tchad Info TV.